Aujourd'hui, on va goûter les produits Picard préférés de nos abonnés. Donc, c'est des produits que vous nous avez recommandés dans un post communauté qu'on avait fait il y a quelques jours. Là, on vient de tout cuire et ça sent la vie. Il y a certains produits Picard qu'on n'a pas pu prendre parce qu'ils n'étaient pas. Donc voilà, on est vraiment désolé s'il n'y a pas vos produits. Et puis, il y en a d'autres, voilà, on ne pouvait pas tout prendre. Donc, on a quand même un petit peu choisi. Franchement, on a quand même varié. On n'a pas pris que les trucs qui nous attiraient le plus ou quoi. Hein. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec le premier aliment que vous nous avez recommandé, c'est des brochettes bœuf fromage. On en a déjà mangé dans des restaurants et c'est la vie, franchement, au restaurant. Donc on a trop hâte de goûter la version Picard pour voir si c'est aussi bon. Ils nous ont donné un petit truc de sauce qu'on met à la fin de la cuisson. Et c'est exactement la même sauce que dans les restaurants. Alors, ça ressemble à ça. Bah là, visuellement, déjà, il y a le fromage qui fond et tout. Trop bon, genre vraiment tout ce que j'aime. Après, le problème avec les brochettes comme ça, c'est que ça durcit super vite. Et là, le temps qu'on s'installe et qu'on commence à tourner, j'ai peur que ce soit un peu trop dur. On va voir. En tout cas, ça a l'air trop bon. Et ça sent trop bon, genre vraiment. Le fromage, il a durci, mais c'est sûr. Mais le goût, il est incroyable. On dirait vrai. Ouais, vraiment. Hyper bien fait. La sauce est vraiment incroyable. J'ai envie de la manger avec du riz, avec des pâtes, avec tout ce que vous voulez. J'ai envie de la mettre partout d'ailleurs. Elle est hyper bonne. Petit secret, qui n'est pas un secret parce que tout le monde s'en fout. On a gardé la sauce qui est assez cuisson et je pense qu'on va la remettre dans du riz. Trop une bonne recommandation, donc merci beaucoup. On met 9. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment, dès que ça sort de la poêle, vous les mangez direct. Et on passe tout de suite à l'aliment suivant. Le prochain aliment, c'est un apéritif et c'est des nachos au fromage. Ah là, c'est dommage, encore une fois, ça refroidit, mais ça devait être tellement fondant. Le goût, il est toujours incroyable par contre. Hein. Déjà, comment du cheddar peut avoir autant de goût? Je crois que j'ai jamais goûté un cheddar aussi bon en fait. Après, ça se voit qu'ils ont mis des épices dedans, mais je sais pas dire lesquelles. Il y a 15 petits nachos au fromage pour 3,99€, donc 4€. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Ça a vraiment beaucoup de goût, c'est pas fade. Bah, on va mettre. Ah, on a le droit de mettre un 10 quand même là. Vraiment, là, je suis à deux doigts d'aller me cuire les autres. Mais bon, il y a tellement de trucs à manger. Ouais. Voilà. Du coup, on va passer vite au reste. Et pas des moindres. Le reste et pas des moindres. Pas très connu cette expression. C'est des cordons bleus au comté. Je sais déjà que c'est une dinguerie parce que j'en ai déjà mangé avant. Et toi, t'as jamais goûté, je crois? Non, mais ça va pas tarder. Ça a l'air incroyable. Déjà, les cordons bleus, c'est la base, mais les cordons bleus Picard, il y a de la vraie panure, il y a du vrai fromage. Là, il est pas très fondant, mais je pense que le goût va quand même être incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas goûté un cordon bleu aussi bon de ma vie, genre. Ça faisait longtemps de ta vie que t'avais pas scoopé. C'est pas français. En fait, t'as jamais goûté un cordon bleu aussi bon de ta vie, tu veux dire? Non, mais vraiment, parce que ceux du magasin, ils ont rien à voir. Hein. Après, Picard, déjà, c'est une dinguerie en général. Sauf si vous allez voir notre vidéo, les produits Picard les moins bien notés. Là, vous allez peut-être trouver des trucs pas fous. En fait, Picard, du coup, il est capable du pire comme du meilleur. Exceptionnel. 15 sur 10. Pour le prix, c'est 5,99€ pour deux cordons bleus. Ils sont quand même très chers. Bah, après, ils sont gros. Et c'est des vrais produits. Ça n'a rien à voir avec les trucs de supermarché où tout est ramolli, tout a le même goût en supermarché. Là, tu sens les goûts de chaque ingrédient. C'est trop bon, genre. C'est vraiment un 15 sur 10. Si vous devez commander un truc sur Picard, ne sortez pas du magasin sans prendre ça. Le prochain aliment, c'est évidemment forcément très probablement une dinguerie parce que c'est encore une de vos recommandations parce que c'est le but de cette vidéo. C'est tout ça quand même. Ce serait bizarre d'ailleurs qu'il y ait un truc qui soit pas du tout dans vos recommandations. Le prochain aliment, c'est un fondant praliné noisette. Déjà, l'idée me plaît beaucoup. C'est incroyable. On dirait les chocolats de Pâques ou de Noël trop bons là. Fondu sur un fondant. Que demande le peuple. Je crois que c'est la meilleure chose sur Terre. En sucré du coup parce que le plus salé c'est le cordon bleu. Tu manges tout le fondant là-haut. Non, ça va. Si, doucement, tu m'enlèves ça. Elle est tendue votre pote. Non, attends, elle dit qu'elle aime pas et après elle mange tout. Ce fondant il coûte 2,30€ à l'unité. Combien sur 10 alors? Mais sur 10, t'es malade ou quoi sur 10? C'est quoi sur 10? Bah on note sur 10. Mmh. Ouais, c'est vrai. 1,5€. Sur 10. J'aurais pas dit et demi. C'est vrai que très sucré pour ceux qui aiment pas trop le trop sucré. Alors pour moi, c'est parfait là. Chaque fois qu'on va commander Picard, je vais être obligée de le prendre. Oui, bah je sais, je m'en doute, ça y est, on est condamné quoi. C'est fou. Mais de toute façon, je crois qu'on va être obligé de reprendre toute la commande là. Le prochain aliment, c'est un truc que je savais même pas que ça existait. Non plus. Ça s'appelle une babka, je crois, et c'est une sorte de brioche fourrée chocolat noisette. On dirait un marbré comme ça, c'est marrant. Ça sent la brioche. Le croissant. Ouais, le croissant. C'est bon, mais le chocolat, il a un goût
pas vraiment de chocolat en fait. Si, mais en fait, c'est que c'est 1000 fois moins sucré que ce qu'on vient de manger il y a 2 secondes. Ça fait vraiment une différence. Par contre, la brioche est super bonne. Elle est vraiment, elle est moelleuse, sauf dessus du coup, c'est croustillant, je dirais du coup. Moi, je trouve ça quand même très bon. Ouais, c'est léger, c'est bien dosé quoi. Franchement, je lui mets un bon 8 quand même. Hein. Ouais, ça fait très brioche, fait maison et tout. C'est vraiment beau. Le prix, c'est 5,99€. Ça me choque pas le prix quand même, ça va en vrai. Mais ça va, en vrai, c'est quand même un produit assez élaboré, on va dire. J'aurais quand même préféré qu'il soit à 4 ou 5€. Mais franchement, c'est quand même très bon, donc ça vaut le coup de goûter. Et encore merci pour cette recommandation. Le produit suivant, c'est un plat individuel. Des gnocchis aux chèvres et aux épinards, sauce à la tomate. Franchement, moi, il me donne trop envie ce plat. C'est dans les plats Formule Express, vous savez, en 5 minutes au micro-ondes, là. Idéal, ça, pour le midi, quand vous travaillez ou quoi. Et même si vous travaillez pas, vous avez le droit d'en manger. Hein. Ça sent super bon. On sent bien le chèvre. Ouais, mais c'est vrai que le chèvre, elle est un peu fort. Avec la tomate, faut manger avec la sauce tomate, ça s'équilibre bien, tu vois. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Franchement, ça a pas mal de goût, le chèvre, il a beaucoup de goût. Les épinards, la sauce tomate, très bon aussi. 7,5, je pense, c'est pas mal. Ouais, et je pourrais le racheter, moi, perso. Franchement, un repas de midi à 2,50€, moi, ça me va. Hein. Je trouve ça très correct, très bien, et on se régale. Après, est-ce qu'on a encore faim ou pas, tu vois? J'ai l'impression que la portion n'est pas énorme. Après, c'est vrai que ça vous empêche pas de vous acheter un yaourt à côté et de prendre une salade en entrée. Encore une très bonne recommandation. Les beignets fourrés au chocolat noisette. On va goûter ça. De base, les beignets au chocolat, c'est vraiment une dinguerie ultime. J'espère que ceux de Picard sont excellents, mais là, allez voir la texture et tout. Ils sont gros, je pense qu'ils sont incroyables. Gâteaux au chocolat, ils sont hyper bien fourrés. Mmh. La meilleure chose de ma vie. Mais comment dire, parce que... Et le praliné, là. Ouais. Je préfère le calme. Là, je trouve que c'est un petit goût de praliné. Hein. Bah oui, c'est le même goût. En fait, le praliné, c'est juste qu'à la place du beignet, vous avez du fondant au chocolat. Donc franchement, c'est une grosse dinguerie aussi. Clairement, pour la note, ça va être pour moi la même chose. L'infini. Je préfère encore plus les beignets que le fondant, même si le fondant était incroyable. Les deux, je me régale. Et en plus, ce serait juste pas la même envie, c'est tout. Mais je pourrais tout autant manger l'un que l'autre. 3,99€ pour 8 beignets. Je trouve que c'est pas trop cher là pour le coup. Hein. Ah mais j'en rachète tous les jours. Je sais pas si un abonnement Picard c'est pour recevoir tous les mois tout ce qu'on a commandé là. C'est parti pour quelque chose de salé. On aime bien alterner comme ça, nous ça nous dérange pas de faire ça. C'est une barquette individuelle, c'est pas la Formule Express cette fois. Il y a l'air d'en avoir plus, j'ai l'impression. Ouais. Ça a l'air super bon, ça sent super bon les épices. 4,80€ quand même la barquette, ça c'est presque le double de l'épaisseur de l'autre en fait. Par contre, elle était pas hyper bien notée. 2,9 étoiles sur 5. Ok, bah on va goûter. Mais pour moi, ça a l'air très bon. Donc ça on sent va très goûter. Bon. J'aime bien, mais ça va. C'est vrai que le poulet là, comme ça, il est un peu fade. On dirait qu'il est que la vapeur, c'est un peu étrange. Bah sûrement. Je suis vraiment déçue du poulet. On sent beaucoup les épices, je trouve. Et le miel, on le sent par son côté sucré. Mais est-ce que ça a vraiment le goût du miel? Je sais pas. En vrai, je suis pas fan de ce plat. Mais c'est vrai que pour le coup, on peut peut-être se fier un peu aux notes quand même Picard. Parce qu'il est pas ultra bien noté. Il vaut 3 vraiment sur 5. C'est bon, mais pas de là à ce qu'on veuille le racheter. On va passer au suivant. C'est un velouté courge, butternut, carotte, navet jaune bio. Tout ça pour 4,40€ le kilo, je crois. Elle est vraiment très bonne. Et encore là, elle est froide et elle est incroyable. Elle est très bonne. Elle a vraiment beaucoup de goût, quoi. Là, on dirait une soupe faite maison, genre. Elle est incroyable. On sent bien les légumes et tout. C'est pas comme les soupes industrielles où vous avez tout à le même goût, là, c'est insupportable. En plus, 4,40€ les 1 kg, je trouve que ça va. Complètement. Mais tout l'hiver, là, comme l'hiver arrive... Non, je regarde, putain, on arrive en été, c'est cool. On a raté ça, pourquoi vous avez pas donné l'astuce avant? Je vais vraiment l'acheter parce que ça me donne trop envie de manger des soupes. Parce que c'est vrai que nous recommander des beignets et tout ça, pour le coup, il n'y a pas trop besoin de nous pousser pour qu'on les achète. Hein. Le velouté, on n'aurait pas pensé à l'acheter. Allez, un petit 10 pour... Un petit 10 pour ce velouté. C'est le dernier produit. Ça a l'air très bon aussi. Très bon. Waouh. C'est un moelleux banane pécan et ça coûte 2,30€. Je savais pas qu'ils faisaient des petits moelleux banane pécan comme ça. Là, ça a l'air super bon. C'est trop mignon. Pas beaucoup de goût de chocolat, mais non. On dirait vraiment de la pâte à gâteau en fait. Il est quand même très bon. Il est hyper moelleux. La banane, on la sent bien, mais presque un peu trop. Après, c'est nos goûts. Si vous aimez le chocolat et la banane, ça va très bien ensemble. Et les petits bouts de noix de pécan là, c'est très bon. Du coup, lui, on lui met 7. Je préfère quand même l'autre moelleux au chocolat avec le praliné. Ça dépend. Si vous aimez la banane, n'hésitez pas à foncer, ça va être super bon. Franchement, on s'est régalé. On a découvert des trucs incroyables. Je dirais même des dingueries, mais je sais pas si on l'a dit déjà. Je crois que c'était la meilleure dégustation de notre chaîne YouTube et on en a fait des dégustations.
On vous remercie encore beaucoup pour toutes vos recommandations. Encore désolé pour ceux qu'on n'a pas pu goûter, mais vous voyez, on a déjà plus de place, donc je sais même pas ce que ça aurait été si on avait dû agrandir la liste des trucs à goûter. Du coup, voilà, encore merci, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.